Yo les BG, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Hold My Sneakers. Donc voilà, je vais vous présenter quelques sneakers, vite fait bien fait comme on dit dans le jargon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bombarder de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires, ça me fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour la vidéo tout de suite. Prêt. Voilà, donc je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Nike. Je tiens encore une fois à les remercier, voilà, pour leur confiance. Et ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. C'est parti, donc on va commencer justement par les deux paires de Nike. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la checker. Et sinon, bah regardez les paires directement ici. Donc on va commencer donc du coup par ces petites Air Jordan 2 Delta colorway doux. Je vous ai fait une review plus complète sur mon autre vidéo. Pour ceux qui l'ont raté, on va reprendre brièvement. Donc c'est une Jordan inspirée de la Jordan 2. Entièrement satisfait moi du colorway. Je préfère le colorway de ma copine que le mien. Voilà, je vous laisse juger dans les commentaires quel colorway vous préférez. Mais c'est vrai que je trouve celui-ci avec un peu plus de poigne, un peu plus vif. Là j'ai bien kiffé avec toujours voilà, le petit 23 ici, le petit logo Jumpman ici avec marqué Jordan. Donc voilà, une petite paire pour le running qui est top. Je vous dirai de toute façon ce que j'en pense quand je les aurai essayé pour courir. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens bien sûr dans la description. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite paire de Air Jordan 2 Delta. On passe à la suivante. Donc on part sur cette petite Air Max 1 Pata que j'ai win sur SNKRS. Franchement, elle est dingue. Voilà, la qualité est ouf. J'ai mis des petits lacets crème. Je l'ai trouvé sympa, le prime était cool. Cuir, il y a un cuir, regardez, de qualité pour une Air Max. Moi, je trouve ça dingue. La paire est dingue, le côté un peu crème et bleu comme ça. Pour l'hiver, c'est juste un plaisir pour les yeux, un plaisir pour les pieds. Voilà quoi, t'as compris, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un bon investissement et en plus, voilà, ça passe avec tout. Faut être clair, faut être honnête. Des paires comme ça, ça passe avec un jean large, un petit baggy. Moi, je les ai mis avec un petit baggy. Je vous mettrai de toute façon les posts en bio ou alors de toute façon, je vous invite à aller me follow sur Instagram. Tout se passe sur Instagram donc. Donc là on part sur une petite paire de New Balance 725 en collab avec Asos. Donc le modèle c'est Cookie. Voilà, donc ils m'ont envoyé un survêt avec. J'ai posté d'ailleurs sur Insta pour ceux qui ont vu. Franchement la paire est dingue. Moi j'ai kiffé le petit délire là, tu vois, je sais pas si on voit bien, voilà, des petits genre des petites paillettes sur les lacets en mode cookie, clairement. Le colorway fait penser à un cookie aussi. En fait, ils ont tout misé là-dessus. Et la tenue, elle est de cette couleur-là. Et le New Balance est écrit de cette couleur-là. Donc j'ai bien kiffé les lacets plans. En plus, ça change. La plupart du temps, les lacets sont ronds ou ovales. Là, c'est vrai que j'aime bien. Franchement, j'aime bien même la semelle un peu trek comme ça. Je trouve que la paire est folle. Voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense pas qu'il y ait des masses plus à dire sur cette paire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue dans la lancée New Balance avec Hey Ho, Salut Memory. Donc du coup, paire ouf, le travail en fait, je trouve que sur cette paire, il est magnifique. Vraiment, il y a le jeu de matière, le jeu de couleurs aussi. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de daim. Là, il y a du prime knit. Là, il y a du cuir véritable, voilà, vraiment en couleur cuir. La semelle est en liège. Donc vraiment j'ai kiffé. Le colorway est assez chaud à porter, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je l'avais pas tous les jours, mais franchement là derrière avec les petits logos, voilà, New Balance ils reviennent en force les gars. Franchement ils font de la bonne concu à Nike, je pense que ça va les réveiller un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en ce moment ils dorment et à part nous sortir des Dunk et des Jordan, bon voilà. On en veut plus les gars, là c'est New Balance, ils sont en train de frapper fort. Franchement j'avais presque pas de paires et je me retrouve avec presque une dizaine de paires de New Balance que je continuerai de vous présenter sûrement dans une prochaine vidéo bien sûr. Mais voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs, je crois qu'elle coûte pas de ouf dans les 200-250 euros. La boîte est ouf. Du coup, paire suivante. Voilà, je râlais il y a 2 minutes sur les dunks mais bon, j'ai pas pu m'empêcher. Donc celle-là je les ai trouvées sur Vinted. Elles sont de 2015-2016. Donc c'est des women, je ne sais pas le nom, honnêtement elles sont assez vieilles, bon, elles sont en super état. En fait j'ai bien kiffé le côté argenté ici, voilà le côté en cuir, vraiment de la vraie qualité quoi, le vrai cuir à l'ancienne là, un peu de cuir croco. J'étais un peu moins fan mais en fait j'ai kiffé. J'ai acheté 60 balles je crois. Donc voilà, paire en parfait état. Je vais hold pendant quelques temps, je pense, de toute façon, même si ça vaut rien. Je crois qu'elle vaut 400 ou 500 balles, mais voilà, j'aimais bien le colorway, du coup j'ai gardé. Et puis maintenant, de toute façon, vous me connaissez, je vends plus mes paires, je garde mes paires, j'ai trop regretté. Et du coup, voilà. Paire suivante, on arrive donc vers la fin de cette vidéo. Il reste deux paires, les deux bangers. Voilà, je voulais vous faire un total review, mais j'ai complètement zappé. Et voilà, je suis malade depuis quelques temps, donc ça me saoule un peu. Mais voilà, je reviens de temps en temps. Et merci toujours pour le soutien. Donc, c'est parti. Donc, là, on va partir sur pour moi une masterclass Air Jordan Travis Fragment Low.
toujours plus long le nom, hein. Voilà, tant qu'à faire, plus le prix, j'ai l'impression que plus le prix est gros sur les paires, plus le nom est long. Mais voilà, qualité, voilà, je vais vous faire la review maintenant. Il y a la low et la high. Voilà, donc je vous laisse admirer. Voilà les détails du fragment derrière, là, idem. Honnêtement, on va parler franchement, la qualité de la high est nulle à chier. Genre, les matériaux sont totalement différents. Genre, le cuir vraiment de la low est vraiment un cuir premium, de première qualité. Les lacets, pareil. La high, en vrai, c'est une qualité de Jordan. Classique, voilà, comme la Jordan, quoi. Jordan 1, qualité classique. En vrai, on l'a mangé des Jarock, j'ai déjà commencé à les plier un petit peu. Plutôt pas mal, en vrai. Je préfère les lots, je pense comme tout le monde, la vie est sur les lots. C'est pour ça qu'on va s'attarder plus sur les lots et je vous montrerai quand même les high plus tard. Donc en fait, voilà, vous voyez le cuir. Le cuir est vraiment d'une qualité, mais incroyable. Ici, là, la toe box, pareil. Bon, par contre, ça se plie énormément, elle se plie vraiment très très facilement, je suis choqué, mais après ça veut dire que le cuir est quand même pas mal, faut l'admettre. Voilà, donc cette paire elle cote, voilà, je sais même pas, je crois 1500, un truc comme ça, enfin bref, c'est beaucoup trop, mais pour le coup, en fait, je comprends plus le prix que celle-ci, que le prix de celle-ci, qui pour moi, le travail est cool, hein, la shape est ouf, y a rien de plus vraiment à vous présenter, voilà, avec le petit fragment là, il n'y a rien de fou à vous présenter et ça vaut 4 ou 5 000 balles, voilà, ou 6 000 balles, je sais pas, enfin entre 4 et 6 000 euros, alors que c'est une paire de Nike, la qualité est classique, et celle-ci qui coûte 1 500 euros, la qualité du cuir est tout simplement insane, vraiment insane, franchement je... Voilà, je vous laisse. De toute façon, je vous laisse voter dans les commentaires. Voilà, laquelle vous préférez. Si vous, à ma place, vous auriez Keep ou Resell, à vous de me dire dans les commentaires. Je vais vous laisser sur ces deux petites paires, les gars, les BG. Voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires. Moi, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ferai une vidéo, je pense, plus en détail pour vraiment passer au scribble fin les deux paires. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve très très bientôt sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok et surtout sur mon Instagram parce que c'est là que tout se passe. Il va y avoir bientôt des grosses annonces. Vraiment, ça a pas mal changé de mon côté. Voilà, j'en profite de cette vidéo pour vous le dire et pour vous remercier toujours d'être là, de liker, de commenter. Même quand je suis pas là, ça va pas. Vous restez là et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, encore merci. On se voit très bientôt. Bye bye.